part pour l'atelier. Premier jour de la semaine, je me suis lancée à faire de la confection pour notre prochain drop de la petite coupelle Blobby qui aura lieu ce dimanche. Et j'ai des copains qui sont venus m'aider à améliorer des petits trucs de l'atelier, donc Teva et Elder. Et Teva s'est amusée à tout documenter. Ouais, c'est beau. Enfin là c'est même pas, c'est une heure pour tout changer. Un room tour. Ah, je juste ouvrir parce que ta tête est aveugle en fait. Ah. J'ai l'impression d'être dans Secret Story, wesh. Petit problème à l'atelier. C'est pas un problème, c'est juste un ajustement. Okay. Il devrait être rose comme ça et j'ai fait des roses genre comme ça. Oh waouh, ce qui est très joli aussi. Il ressemble plus à la coupelle, cela, non? Oui. Alors que c'est pas ce que je voulais faire. Regardez comment c'est beau. J'aime trop la couleur comme ça. C'est beau, hein? Ouais. Mais après, c'est possible d'en faire de cette couleur-là. Là, c'est. En gros, c'est comme si je crée un colorant et après, je vais le diluer pour que ce soit plus simple à mixer les pigments. Mais. Ok. On peut faire un rose comme ça. Mais waouh! Ça va, ça fait 3 semaines que j'ai acheté le rideau. Non. Donc, moi, je suis en assistant styliste. Hein. Il y a du boulot dans ma vie, hein? Hello, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on est mardi. Je vais à la présentation que Teva, ma pote Teva Sartori, fait du sac qu'elle a créé, qu'elle lance aujourd'hui. Et en plus, c'est chez Huddle, qui est du coup le café où on a fait un workshop il y a une ou deux semaines. Donc franchement, je suis trop contente d'y retourner. Depuis mon lit parce que j'étais en train de regarder un vlog de Louisa Ectomorph que j'adore. J'aime trop son travail, j'aime trop sa manière d'articuler ce qu'elle pense dans les vidéos, j'aime trop son univers, sa DA et tout. Et je viens de booker un week-end à Berlin toute seule. J'ai pris le train de nuit pour l'aller et on va aussi aller à Marseille avec mon meilleur ami Elder dans vraiment pas longtemps du tout d'ailleurs. Ce mois-ci, vraiment je suis dans le lit depuis 19h30. Un peu envie de ralentir, un peu envie de réduire les trucs que je fais aussi, tout en continuant à créer des choses qui me font plaisir et qui m'inspirent. Et d'ailleurs, dimanche, on fait un nouveau drop de Blobby, je suis trop contente. Mais globalement, on sort 4 nouvelles couleurs en précommande. Enfin, du coup, je ferai toutes les pièces à la main, à la commande, selon ce que les gens prennent, etc. Mais du coup, aujourd'hui, je me suis quand même avancée pour arriver à trouver le bon degré de pigment, pouvoir faire des photos avec, etc. Mais voilà, l'idée, c'est de pas surproduire, en fait. C'est ce dimanche à 10h, et je pense que je vous présenterai un petit peu tout ça demain tranquille à l'atelier. Demain, j'ai un workshop aussi. Porte en sang, donc c'est un workshop en solo. Là, je fais une petite pause. Je fais plus de workshop avant les 5 et 6 avril. La date du 6, je crois qu'elle est déjà complète. Mais le vendredi 5, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à venir à l'atelier faire ça avec moi. Et voilà, ouais, je suis en train de ralentir un petit peu, de m'imposer un peu ça.
je vais monter cette superbe étagère. Après, c'est pas compliqué, c'est moi, je pense que c'est que ça. C'est bon quand même. Waouh, mon étagère, il ne reste plus que les plateaux à mettre. Alice, elle est en train de prendre des sublimes photos des blobbies que j'ai préparés. Là, c'est les moules. Et puis voilà, ça avance. Je suis vraiment pas développée, mais de même, ça m'a fait. Fiona, c'est ça la question. Moi, je suis plus Fiona, je crois. Si tu peux déjà enlever l'empreinte. Je peux y aller avec les doigts? Ouais. Oh, waouh. C'est clean. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Nous on est jeudi matin. Aujourd'hui je reste le matin à la maison pour travailler. C'est l'anniversaire de ma pote Teva, donc on se retrouve à 13h pour manger. Et après ça on va aller soit travailler à l'atelier, soit travailler chez moi. Il fait trop beau. Aujourd'hui, on s'occupe des derniers préparatifs pour le drop Blobby. J'ai trop hâte d'être dimanche. J'ai préparé l'affiche produit. Alice, elle est en train de monter un TikTok. Hello, on vous emmène une journée avec nous à l'atelier. J'ai commencé par monter cette nouvelle étagère qui va nous servir pour stocker des cartons d'envoi et aussi de la résine d'avance. Pendant ce temps-là, Alice, elle s'occupe des prochains posts Insta concernant le drop Blobby de ce dimanche à 10h. Après, on allait manger chez... J'en avais fait quelques-uns d'avance pour des photos que Alice a pris en photo aussi, que je vous montrerai maintenant. Ça vous donne un bon aperçu des 4 coloris. En tout cas, je suis trop contente parce que je trouve que c'est vraiment une palette qui revient souvent dans Eke, mais en même temps... Oh, Romarin ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux sortir ? Tu veux sortir ? Oh, mon Dieu. Oh là là, oh là là, c'est ça.